Est-ce que ça te gêne, ne serait-ce qu'un pour cent, de tuer les animaux dans les jeux vidéo ou les jeux? Ça dépend comment tu les tues. Là, comme ça, non, ça me dérange absolument pas. Par contre, dans... Comment il s'appelait ce jeu? Ark. Ark, oui, ça me dérangeait. Dans Ark, ça me dérangeait. J'ai pas envie de voir la souffrance animale, quoi. Ok. Très bien. On va utiliser notre petit homme d'XP qui nous reste. Bon, on vient pas d'en choper. Ah non, c'est la quête qui me demande, qui va me filer. Alors, parler à Tracer Talbazi at Poppy's Crossing. Ah, Nymphlotte sait plus écrire, on est foutu. On est foutu. Nouvel endroit. Nouvelle quête. Donc comme vous voyez, je lis bien toute l'histoire. Et on a eu en canto un level 1 XP card. On va parler à Jean Arwen aussi, des fois qu'il y ait d'autres petites quêtes. Apparemment oui. C'est marrant ces quêtes qu'on trouve que... Ok, donc on a des petites quêtes à faire, donc des mobs apparemment à tuer dans ce coin-là. On va aller par là, vu qu'apparemment c'est un cul-de-sac. Voir s'il y a un truc. Oula. Parfait. Ah, on a déjà fini une quête. Très bien. Ah, c'est la quête du Billy, la quête principale. Oula. Je sais pas ce que c'était que ce truc, mais il est mort. J'ai fini deux quêtes. Ah, d'accord. Il nous reste toujours une quête, oui. Et on a chopé des tomes level 2 cette fois-ci. Ah, level up. Petit level up, level 19. On va continuer ici. J'ai envie de bourriner. Quel drame, Crane, Jean-Pierre Coff est mort, c'est vrai? À la fin du live, on te fait un contrôle sur l'histoire du jeu. J'ai un mot du médecin. Salut le poupie. Mais du coup j'ai pas compris non plus, tu cibles à la souris Crane ou c'est full ciblage auto? Full ciblage auto avec, comment ça s'appelle, avec, avec la touche tap quoi. Alors on a plusieurs... On peut passer par là, par là-bas. Bon on verra, on verra. On explorera plus tard. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ah ah! Genre, tu peux me laisser... Ah, les horreurs morts. Mince, c'était un truc de... Je sais pas quoi. Oui, les horreurs morts. Mais par contre... Il faut que j'aille voir un truc. Non, c'est pas là. C'est là. Non, les bonus, c'est à partir de... 3, donc je peux sans aucun problème mettre ça normalement. Ah oui, non, sauf que j'ai Light Armor. Ouais, ça change rien. Ça me fait juste plus de protection, je pense. Il faudra changer par la suite. Si on trouve une pièce de léger. Ah là là, mon comment ça s'appelle là?
tu veux que je fasse là-dessus? C'est mignon, c'est un popolion. Faut arrêter de frapper des trucs mignons là. 1 sur 7. Ouh, c'était bien utile ça, dis donc. Alors, ça a l'air très très chiant à target par contre, hein, je vous préviens. C'est bon. On se calme, les Billy. Je peux pas le target? Ah, maintenant je peux le target. Il l'a vu. 3 sur 7. Popolion de mythe. Encore de la popolion de mythe. Et le dernier. Et encore de la popolion mythe. Donc ça, on a fini un truc. Déjà, on va quand même aller voir là-bas s'il n'y a pas un petit truc caché. Apparemment non. Et donc si je fais ça, je me rends compte qu'il faut pas du tout passer par là. Donc on peut utiliser le TP. Ah, il y a encore de la popolion mythe. Est-ce qu'elle est à moi? Non, elle est pas. Ah si, elle est à moi. Ok, petit TP. C'est vraiment très très user-friendly, hein. Faut quand même reconnaître que... Tout est prévu pour que ça aille vite, ce soit simple. Donc c'est un truc qui file de la vie en plus. Intéressant. T'as joué à Shroud of Avatar? Non! Bon, c'est un jeu où il y a l'air de... Tu peux farmer certains trucs, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas, la nécessité de farmer. Sauf si tu veux finir des collections, des machins comme ça. Ah, des zones par là, mais on va déjà les faire par ici. J'ai envie de le tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parler. Non, il faut faire quoi là? Ok, il manque quelque chose. Check the scatter goods. Non, est-ce que oui? Ah oui, ici. Quest complete, c'est fini. Parler à Varas, parler à Agent Lerana. Ouais. Agent. Anna et Nervous Vendor, parlez à Varas. Il est où Varas? Alors, Varas. Kuro Jungle, c'est là où on est, je crois. Non, c'est pas ça. Kuro Jungle, ok. Level 29. What's the cacahuète? Ok. Donc c'est apparemment pour plus tard. On peut continuer. Apparemment on peut foirer son perso, oui, et il y a de grandes chances que vous foiriez si vous n'avez pas un truc de bien prévu, tout ça. Ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Après, bon, qu'est-ce qu'on entend par foirer son perso aussi, hein? Vous ne serez pas ultra opti, quoi.
Il y avait un mob, il a disparu. Très bien. Alors. C'est pas ça que je vais faire. Pourquoi ça ne touche pas le deuxième? Au polyant! On est à combien? 4 sur 7 Corrupted Blood. Et Blood. Sur 7, plus qu'un. Et bien un mob dans le coin. Allez, vas-y, repop le mob là. Ne m'oblige pas à retourner tout là-bas pour finir une des quêtes. Bah, ça. Ils réagissent pas beaucoup, hein. Ok, donc on peut utiliser un tome d'XP, on en a même deux. Ah, level up. Le level up qui fait plaisir. Très bien. Si c'est comme Ragnarok Online, tu peux te retrouver avec un perso injouable parce que tu n'as pas mis les points dans les bonnes stats, peut-être. Ouais. C'est pas du tout. Voyons voir. Bon, on va continuer vers le bas pour le moment. Oscar. Que je dois faire sur eux, je ne sais pas. Alors, ça a pas l'air de compter. Je ne sais pas. Si, c'est bon. C'est bon. 5 sur 9. On va quand même se balader, des fois qu'on trouve un truc sympa. Oui, très très gros lui. Il est extrêmement gros. C'est un peu peur. Il a pas l'air content. Hein. Ouais, c'est cheat la zone de ça. Oh, c'est cool ça. Je sais pas ce que c'était, mais c'était cool. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des bottes, on en avait pas des bottes. Et c'est des bottes en cloth. Donc on va remettre ça pour avoir un bonus cloth. Donc on a déjà 3 pièces. Donc logiquement on a un bonus là. Et donc ça c'est cool. C'est très très cool. Light. Donc boots close, non laser. Ah mais non, attends. Mais what the cacahuète. Ah mais non, j'étais en laser de base, je n'étais pas en close. Ah donc j'avais déjà un bonus 3 pièces laser. Donc on va remettre ça. Ok. Je suis persuadé d'être en léger, mais non, c'est peut-être le prêtre en léger. Tu es violent avec la nature, un petit peu. Utiliser ça. Class up. Et donc on va pouvoir augmenter. Ça augmente quoi? La durée. Ça fait très très mal. Et ça dure encore plus longtemps. Ou la fireball. Ah, elle prend un gros up la fireball. On va aller la fireball. De toute façon, on va augmenter les 3 au max. Donc c'est pas très très grave. Moi j'en veux des mobs comme ça qui sont très gros et qui filent des loot. Des T-loot. Quels sont tes jeux du moment? Oh, j'ai pas vraiment de jeu du moment, c'était Dark Souls 2, mon gros jeu du moment, mais... Sinon, on s'est fait un jeu très sympa hier, Adrift. Ah! Oulala! Je sais pas ce qui se passe, mais ça a pas l'air... Il a pas l'air content. Il a pas l'air content du tout.
Allez, viens de prendre ma fireball et mourir. Tu veux pas? Allez, viens. Regarde, 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 regarde. Et bim! Pas de cadeau? Très sympa système de boss en tout cas, qui dépop, enfin qui te fait pop dans une mini zone rien qu'à toi. Je sais pas du tout ce que ça donne en groupe après. Tu joues avec quoi? Au clavier souris là. C'est pas idéal. Je galère un petit peu. Bon, vous allez prendre pour l'erreur. Ouais, je suis un feignant. Oula! On a eu... Alors, qu'est-ce que c'est que ce... ce cadeau-là? On a eu une clé. Material entry level, okay to open level 2 treasure chest. Aha! Aha! Et level up, on est level 21. Pas que nous qui avons level up. Ouais, voilà, lui, il se la pète. Level up plus class up, là. Hein. On n'a pas été voir ce qu'il y avait là-bas. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Salut Sios, alors pour les mangas, je me suis très bien amusé. Je suis pas venu te voir car pour les mangas, c'est vraiment pas cool quand t'es visiteur. Ah, et Sios qui sera bonne pour la 20ème fois, 20 mois de soutien et bim le resub de Sios. Merci beaucoup Sios, c'est adorable. Vraiment pas cool quand t'es visiteur, il y a juste beaucoup trop de monde. Bref, sinon, comment est le jeu? Bah, le jeu pour le moment est assez agréable à camper. Ah, sur ce smart. Ah non, c'est pas mort. Mais cette zone de feu, c'est la violence ultime quoi. J'aimerais bien qu'on puisse augmenter la zone. Pas seulement les dégâts, mais la zone. Ce serait totalement cheaté. Ce serait parfait. Y'a quoi par là? Un mur invisible. Tu vas peut-être pouvoir ouvrir des coffres maintenant que tu as des clés. Peut-être, oui. Comment il se la pète? On va y voir par là. Est-ce qu'il y a des choses? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'aller par là maintenant? Barbarian Submaster. Sachant, est-ce qu'il est dans un... attends, non, là, c'est juste une petite zone. C'est quoi? C'est une zone qui se termine ou c'est une suite? Non, c'est une zone qui se termine. On va aller voir, du coup. J'ai pas parlé au Submaster machin chose, parce que j'ai l'impression que c'est pas des gens qui donnent des quêtes, mais des gens pour des quêtes. Là, je vois rien de particulier. Il attire les petits lapinouchous dans le feu pour les regarder exploser. Oui, ça file pas de quête en effet. Oui, ça suffit là, regardez. C'est très très bien cette zone. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Ah. Ça c'est un TP, c'est quoi? Oui, c'est un TP. Mais du coup, on en découvre un nouveau. Et on peut procéder à la suite. L'agent l'arena. Donne-moi mon cadeau. Ok. Qu'est-ce qu'il y a des nouvelles choses? J'en profite pour regarder si c'est un truc de quête. Jolly's Whistle. A whistle that can call Jolly to your location. Blow the whistle if Jolly is too far away. Too far away. Ok. Et c'est quoi le plan? Find the priestess with Jolly. Ah, viens, Jolly. Jolene. Jolene.
Ok, ok. C'est quoi le plan? C'est ironie, il se passe des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il a trouvé quelque chose, je crois. Non? Si, il a trouvé quelque chose. Bien joué! Bien joué, Jolly! Est-ce que tu sais sauter, Jolly? Voilà, je n'irai pas plus loin pour cette blague. Très mauvaise. Ah! Vu ouf ouf, c'est tout mignon! Ah, il en trouve un autre encore. Ah, il vient, Jolly. T'es où, Jolly? T'es là. Il y en a un autre ici. Allez, Jolly. Je compte sur toi. Ah, ça y est. Parfait. Et voilà, 5 sur 5. Et encore un petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. On va prendre notre petit homme d'XP qui ne nous fait pas lever. Oula, 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 oula. Très bien, on va regarder la map, à quoi ça ressemble. Alors, il y a des trucs un peu de tous les côtés. On va quand même aller vers le bas parce que ça semble... C'est là qu'il y a la quête déjà. Et en plus, ça semble être un chemin fermé. Ah, un autre... Qu'est-ce qui se passe? Ok, il n'y a rien du tout. Et maintenant, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille tout là-bas. Et on va continuer de visiter des fois qu'il y ait quelque chose de sympathique à trouver. Pas là, en tout cas. Bah, ça a l'air bien, ça. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Allez, venez lui. Et lui. Oh. Et non. Très bien. Ça servait à rien, mais ça fait plaisir. Bourriner, ça fait du bien. Alors, est-ce que c'est un cul-de-sac là-bas ou pas? Y'a pas de cadeau, y'a rien du tout. Mais stop quoi. Non mais cette zone de feu. Je suis amoureux de cette zone de feu. Sauf qu'il y a vraiment rien du tout. Ça fait des petits endroits de farm, c'est toujours sympa. Alors, à quoi ça ressemble? Là-bas, ça doit être la suite. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est la suite par ici ou est-ce que c'est un cul-de-sac? Ça semble être le chemin quand même. Hein. Ouais, quoique. Ouais. Je sais pas. On va visiter, on verra bien. Ouais, donc là, il y a une sortie. Et là-haut. Et là-haut. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, ce qui m'arrangerait, parce que ça veut dire qu'on pourrait continuer de visiter les autres zones et qu'on aurait fait un peu toute la map. Je suis très très fan de cette zone. En plus, elle dure super longtemps. Donc là, il n'y a rien. Oh,
Oh! Ah bah voilà! C'est bon, on a la collection. Ça va être la galère. Il va falloir revenir farmer, mais on fera pas ça ce soir. Je suis fatigué. Je pense que je vais finir la zone et aller dodo. Salut Reapers! Salut Doombem! J'ai les yeux qui me piquent depuis tout à l'heure. Allons. Est-ce que vous savez s'il y a de l'XP reposé dans ce jeu? Marie Chantal Gloutim. J'aime beaucoup, hein. Est-ce que ça a utilisé une clé? Oui, j'en avais deux, ça en a utilisé une. Ok. Ah, il se passe un truc chelou. À mon lieu. Spectre Monarch. Enfoiré. Allez, cette zone. Cette zone de feu. Voilà, merci la zone de feu, c'est parfait. Ah, il se passe des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ils ont disparu. Ça, il faudra que je retourne voir le NPC. Tu arrêtes de me taper là? Je suis en train de regarder mon inventaire. C'est ça que tu veux? Voilà, tiens, et bim, et bim, et bim, et rebim. Qu'est-ce que je dois faire ici? Parler à Varas, sur the Grand Hill. Donc je dois la chercher. Je suis grave en train de chercher. Là, je cherche comme un ouf. Ouh, ce que je cherche. Ah, si, c'est ça. Checking. Il faut retourner à Orsha. C'est à Perpète. Je vais voir si je peux pas débloquer un TP sur la zone d'à côté avant. Il y a un TP pas très très loin, au pire je peux revenir ici. Bonne nuit la Belge. Ah ouais, faudrait que le TP soit juste à côté. Donc à mon avis, ce sera un TP pour revenir dans cette zone. Surtout que c'est une quête level 29, donc faut quand même faire attention. Donc là, on risque d'avoir des surprises. Ah, c'est rouge. Level 30, ok, on s'en va. On s'en va. Je suis level 21. Oh, on peut tester juste un mob, histoire de... Oh. Bon, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. Mais bon, c'est rouge. On ira plus tard. Pourquoi j'ai pas utilisé le TP? Pourquoi je suis retourné dans la zone d'avant? Je n'ai absolument aucune explication. Ah, des cadeaux. Il y a toute une histoire absolument fabuleuse. Et tu veux que j'aille voir... attends, on est où? Est-ce que je veux que j'aille aussi donner... On est là. Non, c'est bon, je peux y aller à pied. C'est quoi les différentes classes du jeu pour l'instant? Des choses basiques ou il y en a qui sortent du lot? Non, c'est basique pour le moment.
Mais j'imagine qu'après, vu le nombre de classes, il va y en avoir qui sortent du lot, mais tu commences directement, soit t'es guerrier, archer, mage ou clerc. Et après, t'as des spécialisations qui apparaissent petit à petit. Parler à l'item mercant qui est juste là. Alors, item announcement. Ok, c'est à lui qu'on peut faire ça ou non? Bon, ça marche, j'aurais dû lire le, mais c'est pas grave. If you are ready, go join Prince Prime before leaving the Ashak underground prison to rescue the bishop. Alors, place a piece of equipment on the anvil and eat it afterwards to upgrade the quality. Ok. Petit level up. C'est toujours appréciable. Et donc, on va avoir nos 30 en intel. 30-15, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est fait. Alors, on va aller voir. Je voulais aller voir ce que c'était ça. Ah, c'est le shop. Magnifique, magnifique. 198 top. Non, c'est pas ça. C'est TP, available TP 1, remaining TP. Mais logiquement, j'ai des TP. J'ai un pack. Donc, quel est Airstyle Premium, Mile Airstyle Premium, Mile Airstyle. Et il y a les costumes. Est-ce qu'on peut voir les costumes en avance ou comment ça se passe? Là, c'est pas ma classe. Preview. Ok. Vous avez des petits costumes comme ça. C'est pas rêvé, mais... Available TP 1. Bon, apparemment, j'ai pas mes cadeaux de précommande. Faut peut-être aller les chercher quelque part. D'accord, Zofis, merci. Et du coup, c'est commun à tous les persos ou faut que je sois sûr d'utiliser un perso à... On en a eu que 3. Ah, les heures amorties, je la porte. Malheureusement. Et il nous manque un short bow. Attends, on a presque terminé, quoi. Ça file quoi? Physical défense plus 1. C'est très très nul. Hein. Il faut reconnaître à des moments qu'il y a des choses qui sont très très nulles. Mais bon, on ne peut pas ne pas finir les collections. Donc, il nous manque un short bow. Donc je sais pas qui drop le short bow. J'imagine que c'est facile à trouver sur... Ah, elle était bien, moi, les heures armor, là. Oh, moi, mes les heures armor. Je pense que je continue le jeu demain, oui. Je pense que je continue le jeu demain. Putain, la collection pour plus 1 physical défense. Non mais vas-y. Il faut faire quoi? Poppy's Crossing, John. Ok, d'accord. Eh bien, level 22. On est level 15. Enfin, on a maxé la première classe. On est level 4 sur la deuxième classe. C'était pas mal comme première soirée. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est plutôt agréable à jouer. J'ai passé un bon moment. Après, je suis pas du tout convaincu d'avoir pris les bons spells, tout ça, tout ça. Plus qu'à espérer que le perso soit pas broken. Mais j'utilise. En fait, le truc qui est bien, c'est que j'utilise absolument tout. J'utilise ça, ça je l'utilise pas, mais ça peut être utile après. J'utilise ça je l'utilise pas, mais il faudrait que j'y pense en fait. Et j'utilise ça, donc je suis pas mécontent de mes spells. Après, avoir maxé l'int et avoir mis si peu en SPR, je sais pas. Mais je suis plutôt content de mes choix pour le moment. Je suis pas convaincu que rester à 3 en HP, ce soit une bonne idée à terme. Il y a de grandes chances qu'on me dise, voilà, t'es HP, t'es bien gentil, mais il en faut un peu plus. Mais on sait jamais. On sait jamais. Achievement. Caractère setting. C'est quoi ça?
J'ai pas de titre, tout ça. Ok, ok. Non, bah c'était cool. C'était cool. Je dis pas que c'est le jeu du siècle, hein, mais j'ai passé un bon moment dessus, donc il y a de grandes chances que je continue demain. Qu'est-ce que c'est que ça? Adventure Journal, Growth. Level 1. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les achievements. Alors, ah, ça me dit ce que j'ai eu et sur quoi. Ah, oh, ça c'est bien ça. La lésure à mort, je l'ai eu sur un Red Kepa. Ça c'est bien ça. C'est le hall et après je peux juste voir les weapons. Ok, ok. Intéressant. Alors, Royal Territory exploré à 100%. Clépeda région exploré à 91%. Filman Territory. Pas un pond exploré à 100%. Et il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Ah, ça veut dire que j'ai fait la collection, je pense. Ça dit quel monstre drop quoi. Non, c'est cool, ça c'est bien fait. Ouais, ça fait. On s'offre aux FDHP, créer une Rena contrainte. Effet DS2. Crane n'a plus envie de montrer les HP. Exactement. Tu sais, dans Ragnarok, les mages, ils tournaient sans HP. Ouais, c'est pour ça. Crane, est-ce que ça a quelque chose de comparable à Ragnarok Online? J'ai pas joué à Ragnarok Online, donc je pourrais pas te le dire. J'ai fait 42 quêtes. J'ai rencontré 103 NPC. J'ai fini une collection et j'ai pas d'achievement et pas de score de mission, je sais pas quoi. Bonne soirée, Crane, et merci de m'avoir changé les idées. Mais de rien, vivace. Bon courage à toi. Bon, c'était cool. C'était cool. Passez un bon moment. Il y a un petit Yamato qui fait du Dark Souls 3. Ça vous tente de qu'on aille voir un petit Yamato qui fait du Dark Souls 3? Bon, ça va peut-être vous spoiler pour certains, mais vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Et puis, je sais pas sur quoi il joue. F-R-E-N... Non, je sais pas sur quoi il joue. Ah, le jeu, il a l'air en japonais. Il doit jouer à la version japonaise de Dark Souls 3. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Daok, Crane? Pff, c'est le même jeu, again. Totalement, totalement. J'ai retrouvé les sensations du paladin sur Dark Age of Camelot. Je suis en train de me up un full support, donc plus HL si tu veux monter une team, je suis chaud. Bon, on verra par la suite, hein. Pour l'instant j'ai juste envie de découvrir le jeu tranquillement. Là c'est bon, je me suis fait une première idée ce soir, peut-être que je recommencerai un perso demain, peut-être pas, je sais pas, va falloir que je réfléchisse, mais le jeu est très agréable à prendre en main. Ouais, bon voilà, les combats sont fun, j'ai aimé farmer. Donc voilà, touche pas à mon fil. Crane, au fait, tu penses un jour pouvoir capturer Fred et Seb pour un live? Oh, ça arrive de temps en temps, mais ça sert à. Tu l'as pulvé, bimzé ce soir, bonne soirée à toi. Non, c'était cool comme première petite soirée sur ce jeu. Donc je vais vous laisser en compagnie de Yamato, je vous mets 3 minutes de publicité histoire de, parce que quand je finis le live j'aime bien mettre un peu de publicité, enfin ça dépend quand j'y pense en fait, surtout quand j'y pense. Et après la publicité, si vous voulez aller tenir compagnie à Yamato, je fais un petit host, voilà voilà, des bisous tout le monde. On se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures à 21h, ou peut-être avant si je peux, mais j'ai pas mal de choses à faire demain après-midi. Croisez les doigts pour moi pour l'appartement, j'espère avoir une bonne nouvelle à vous annoncer bientôt, même bon, si tout prédit le contraire, on sait jamais, sur un malentendu, voilà, voilà. Et des bisous. Demain tu fais Dark Souls 3, au pire demain tu fais Dark Souls 3, non parce que je veux le faire en anglais sur une version, j'ai pas de PS4, j'ai pas de d'Xbox One, donc il faut que ce soit sur PC, il est pas encore sorti sur PC. Voilà, voilà, des bisous tout le monde, ciao, ciao, on se quitte avec une petite... Ah non, c'est pas ça, attends. Ah mais j'ai plus l'image de fin. Ah non, c'est vrai que je vous mets un bonne nuit normalement. C'est ça. Il faut que je retrouve le texte bonne nuit. Mais il est là le texte bonne nuit. Et en fait, après, moi, je m'enlève. Et je sais plus où c'est. C'est là. Hop. Et je mets un dindon à la place. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, merci à tous pour les subs de la soirée. Merci à tous pour les dindons également. Merci d'avoir suivi ce stream. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère vous revoir très bientôt. Et des bisous. Une petite page de publicité. Et derrière, un petit host de Yamato. Ciao, ciao tout le monde. Des bisous.